8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Trois jours plus tard, le 11, les Allemands franchissent la ligne de démarcation, occupent la zone sud et appellent à la collaboration. On veut faire croire, on veut faire peur, on veut convaincre. Mais à Montpellier, un homme n'entre pas dans le jeu, le général de corps d'armée Jean Delattre de Tassigny, directeur de l'école de cadre d'officiers. Comme il l'avait dit à ses hommes à Clermont en 1940, il veut continuer la lutte. Pour lui, une aventure va bientôt commencer, celle de Charles de Quesne. Mais pense-t-il déjà qu'il prendra le nom de son jeune planton, tué au pont de Nevers en 1940, auquel il ajoutera la profession d'instituteur? Avec 150 volontaires, il part dans les Corbières. Trahi, il est arrêté à Saint-Pons pour abandon de poste. Que pensez-vous de l'attitude du général Delattre? Je pense que le général Delattre était un grand chef. Il avait donné un ordre, nous devions l'exécuter. Et lorsque j'ai vu le colonel du régiment d'artillerie nous demander de ne pas bouger, j'ai pensé que le chemin, c'était de suivre Delattre. Et je l'ai suivi, dans les Corbières. Il a été condamné le 9 janvier 1943 à Lyon. Il a été condamné par un tribunal d'État, qui était un tribunal d'exception. Il était condamné sans appel. Je craignais beaucoup qu'il soit condamné à mort. Il a été condamné à 10 ans de prison. Et il avait fait sa prison préventive à Toulouse, puis à Montluc. Et il a été, le soir de sa condamnation, emmené à la prison Saint-Joseph à Lyon. Il y est resté longtemps ? Et il y est resté à peine un mois. Le 2 février, qui était son anniversaire, je me suis présentée à la prison Saint-Joseph et on m'a dit qu'il a quitté Saint-Joseph de très bonne heure ce matin et il est parti pour Rion. J'ai pris le premier train que je pouvais prendre et je suis arrivée un beau matin. Je me suis présentée à la centrale et on m'a dit qu'on ne connaît pas. Et je suis venue ici. On m'a dit qu'il est en effet arrivé tard hier soir et il est installé dans la cellule qui a servi à M. Léon Blum au moment du procès de Rion. La fenêtre de cette cellule fait face à la maison de Mlle Collangette. Coïncidence heureuse, Mme Delattre et Mlle Collangette sont amies. En juin, Mme Delattre vient habiter sa maison avec son fils Bernard. Il y a des projets dans l'air, mais il faudra plusieurs mois pour les réaliser. Il y a eu une tentative d'évasion au mois de mai. Cette tentative d'évasion, le gardien-chef était dans le coup. Ce monsieur Dumas, qui nous a d'ailleurs abominablement trahis, je dois dire. Et nous n'avons dû qu'un hasard de ne pas être mis en taule, Bernard et moi, ce soir-là. Monsieur Blaise, oui, avez-vous eu des contacts avec le général Delattre? Oh, bien oui, très souvent d'ailleurs. Lors de l'arrestation de M. Dumas, c'est moi qui avais pris les fonctions de chef et tous les soirs j'allais voir le général et on restait une heure et demie des fois ensemble. Il m'expliquait sa carte du front, de l'Est ou de l'Ouest et on parlait souvent. N'empêche que vous avez réussi à établir un plan d'évasion, un second plan d'évasion. Oui, alors ce second plan d'évasion, le premier, il y avait toute une combine de complices extérieurs, de deuxième bureau, de services secrets, je ne sais pas, et qui s'étaient mis en liaison avec moi. Puis il y avait la complicité du gardien. Le second, on l'a fait, c'est Bernard, qui avait 15 ans, que j'avais fait venir auprès de moi, et qui un beau jour m'a dit, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça comme dans les romans policiers? Dans les romans policiers, on scie un barreau, on descend avec une corde, et on a des amis à l'extérieur, mais pas des trucs trop compliqués. Hein, parce qu'ils sont toujours indiscrets quand il y a des... Voilà. Alors, il y avait une équipe de gens solides et qui aimaient bien mon mari, et qui était à Clermont-Ferrand, qui avait été pour la plupart ses anciens soldats de la 14e division et qui avait été les chauffeurs de son état-major. Il y avait un Alsacien, Rutsch, il y avait Lachal, et trois ou quatre autres. Bon. Et l'agent de liaison était Louis Rutsch, parce qu'il était le chauffeur qui conduisait mon mari au moment de son arrestation. Et Bernard m'avait dit, Louis saura se débrouiller pour nous procurer la scie.
Il fallait tout de même... c'était pas facile pendant l'occupation, parce que il y avait des bons monnaies matières. On pouvait pas acheter une scie à métaux. Comment et quand s'est passée l'évasion? Eh bien, elle s'est passée comme dans un roman policier, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1943. Avec quel matériel? Aussi avec le matériel prévu, la scie à métaux que j'avais fait entrer dans un bouquet de fleurs, une corde que Bernard avait glissée sous ses livres dans son cartable d'écolier. Et tout s'est déroulé dans des conditions absolument extraordinaires et providentielles, puisque les détails étaient prévus à la minute près. Quels étaient ces détails? Ah, ces détails, c'était l'heure de la relève des GMR qui surveillaient l'intérieur dans le fossé. Le seul défaut de leur organisation était que la relève des gendarmes à l'extérieur était exactement à la même heure. Et là, nous avions un jeune gendarme qui était dans le coup, qui a fait l'homme ivre au moment de la relève des gendarmes qui se passait devant la porte de la prison. Il avait dit « je les tiendrai 10 minutes ». Au fond, il fallait obtenir que le fossé et la rue soient libres pendant 10 minutes pour que mon mari puisse entrer dans ce jardin. Ce jardin qui était merveilleux aussi puisqu'il avait 3 issues et que la voiture qui devait l'emmener était à la grille du côté de la gare et que lui pouvait entrer par la petite porte. Bernard avait enlevé la sonnette, avait enlevé la boîte aux lettres qui n'était pas très bien arrimée et qui faisait un peu de bruit. Il fallait donc qu'il se munisse des clés. Et ce soir-là, quand il a voulu prendre la clé n'était pas au clou. Ce qui fait que son père risquait de rester dans le fossé sans qu'on ait eu le temps de sortir de la maison et de l'attendre de l'autre côté du mur avec une échelle et de lui jeter la corde. On lui avait porté la corde pour descendre de son vasistas à travers la fenêtre barrotée dont un barreau était scié, mais il n'avait pas la corde pour franchir le deuxième mur. Celui-là, il fallait lui jeter par-dessus le mur de l'extérieur. Donc Bernard est entré dans la cuisine, affolé, suivi de Rutsch, de Lachal, probablement, enfin des quelques complices de l'équipe de Clermont. Et il a buté dans quelque chose qui était par terre, c'était la clé. Bernard appelait ça le premier miracle. Il y en a eu d'autres après. Enfin, tout s'est arrangé pour le mieux, puisque dans la nuit, mon mari a pu aller jusqu'à Compin. Où étiez-vous au moment d'évasion? Je devais être quelque part dans le train entre Rion et Vichy, et bien angoissé, parce que le dernier train qui est en Rion partait une demi-heure avant l'heure fatidique, c'est-à-dire l'heure de la relève des gardes. Et il fallait absolument que je parte. Et où alliez-vous? Alors, j'avais visé Paris, parce que c'était le centre de tout. Et il fallait que je prenne des liaisons pour la deuxième partie, c'est-à-dire le départ d'Auvergne vers la France libre, vers Londres ou Alger. Donc, vous avez vécu à Paris 7 mois. Oui. Dans la clandestinité. Dans la clandestinité. J'étais tantôt dans un couvent, tantôt assistante sociale dans une maison d'enfants. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai été demandée en mariage par mon cordonnier. Enfin, il m'est arrivé beaucoup d'aventures. Et j'ai rejoint mon mari par l'Espagne. Mais 7 mois après, avec Bernard, qui lui est resté 5 semaines avec son père à Compin, et m'a retrouvée à Paris. Compin, petit village dans les monts d'Auvergne, était l'endroit qu'il fallait. Louis Rutsch, devenu représentant parfumerie, avait des relations un peu partout. Et il lui avait fait rencontrer le boulanger-maire de Compin, M. Perrière, qui lui trouva une ferme pour Charles de Gaulle. En 1943, j'étais chef du réseau de renseignement Gallia. Le chef de notre région centre était l'adjudant-chef Pinard, avec comme adjoint le lieutenant Mento. Leur agent de liaison vint me prévenir que le général de l'Alpe de Tassigny, évadé de la prison de Rion, s'était réfugié dans une petite ferme au sud de Clermont-Ferrand. J'envoyai immédiatement un télégramme à Londres pour dire que le général de Lattre
se tenait à la disposition du gouvernement de la République pour rallier Londres dans les plus brefs délais. La réponse fut presque instantanée et je prenais contact avec le général dans une petite ferme des monts d'Auvergne, en lisière d'un bois. Le général était logé dans une petite chambre blanchie à la chaux, d'une façon très simple, et nous avons immédiatement sympathisé. Je lui ai tendu le télégramme donnant l'acceptation de Londres, qu'il a accepté sans discuter, et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de son fils Bernard, qui est entré dans la chambre, espérant accompagner son père à Londres. Devant une délégation de ma part, il est parti un peu déçu. L'évasion de son père était sa chose et il voulait aller jusqu'au bout. Mais les ordres étaient formels. Pour lui, pour l'instant, tout s'arrêtait là. À Compin, le maire connaissait le nom de la personnalité hébergée. Mais là-haut, à la ferme des Baguets, Pézère, un combattant de 14-18, savait peut-être lui aussi. Non, je ne savais pas qui il était. C'est seulement au bout de 3 jours qu'il m'a fait appeler. J'étais en train de traire mes vaches. Et en arrivant dans sa chambre, alors, il m'a dit, eh bien, je vous ai fait appeler pour vous dire qui je suis. Alors, il a dit, vous aviez certainement entendu parler qu'il y avait un général qui s'était évadé de la prison de Lyon. Oui, c'était bien connu à ce moment-là, bien sûr. Alors, il a dit, eh bien, c'est moi. Alors, je suis resté debout, au garde-vous, au pied de son lit. Le soir, des fois, il sortait faire un tour là dans la forêt, dans le bois, mais on avait une consigne. Avant de rentrer à la maison, je sortais, j'allumais une cigarette dans le chemin, alors il comprenait, c'était le signal qu'il pouvait rentrer et qu'il n'y avait personne à la maison. Et en rentrant, bien sûr, il était dans sa chambre. Quand j'avais une minute, je montais dans sa chambre et on parlait une fois de ça. Et puis on parlait même de l'agriculture, puisque de sa fenêtre, il voyait toutes les bêtes qui étaient dans les pacages par là. Alors, il disait, mais quand même, oui, mais c'est bien ici dans votre pays. Ah, mais mon vieux, avec toutes ces bêtes, alors il se rendait compte, un petit peu d'avance, il dit, ben, ça peut marcher, ça peut tourner. Comment ne pas être frappé par l'attitude d'un homme qui, général de corps d'armée à l'époque, allait dans le même sens de notre action, nous qui nous battions depuis 3 ans et qui à cette époque avions déjà connu pas mal d'aventures. Un jour d'automne, 4 hommes du réseau Gallia arrivent à Clermont pour prendre en charge Charles de Ken. Elmalet dit Constantin, le chef de ce groupe de protection, Philippi, Fauché et Amouric. Le soir, Constantin amène en gare Charles de Ken. Un compartiment de 3e classe est vide, ils s'y mettent. Devant la porte, Philippi. À chaque extrémité du wagon, Fauché et Amouric surveillent les portes et les soufflets. Ils doivent, en cas de contrôle, neutraliser les polices françaises et allemandes et tirer le signal d'alarme pour faciliter la fuite de Charles de Ken. Rien ne se passe. À la gare de Lyon-Perrache, aucune inquiétude non plus. Dans sa voiture, Ernest, du réseau Gallia, prend Charles de Ken. Au cœur de Lyon, dans une villa, on les attend. Monsieur Igor Franklin, alias Alfred, où était la villa à Lyon? Cette villa était située avenue Félix Faure, 200 ou 300 mètres à l'est du carrefour avec le cours Gambetta. C'est donc là que vous aviez amené Charles de Ken, instituteur, le général de Lattre. C'est là qu'il a séjourné. Pendant 2 ou 3 jours, pour le transférer à Charles-Henri. Qui était Charles-Henri? Charles-Henri, qui était le chef d'opération aérienne du service action pour la zone sud. Vous vous connaissiez? Nous avons été présentés l'un à l'autre par le préfet Lambert, qu'à cette époque nous appelions le maraîcher, et qui était le secrétaire de la délégation générale pour la zone sud. Dans quelles circonstances fut présenté Charles-Henri au général de Lattre? Eh bien, il ne l'a pas vu avant que je lui remette le colis ou le passager, comme nous disions à l'époque.
Mais nous avions convenu, au cours d'un rendez-vous précédent, pris justement à l'angle de l'avenue Félix Faure et du cours Gambetta, dans un petit café qui s'appelait, je crois, La Buire, de la procédure à utiliser pour le transfert. Monsieur Paul Rivière, alias Charles Henry, vous aviez donc écouté le message, et c'est après que vous êtes venu au rendez-vous. Exactement. C'est-à-dire que j'attendais ce message il y a déjà un certain temps, parce que j'avais reçu un câble de Londres daté du 7 octobre, me demandant d'embarquer sur Londres le général Delattre, Claudius Petit et le fils du général Delattre. L'opération devait se faire dans la Lune. Et vous savez qu'à l'époque, la Lune était très courte. On était obligé de faire ces opérations en pleine Lune. Et ça devait se passer entre le 10 et le 20 octobre. Or, le message qui était « Il possède un œil de lynx » est passé le 10 à 1h15 de l'après-midi. Une nuit, Paul Rivière traverse Lyon avec son colis. Après Mâcon, sur la rive gauche de la Saône, Manzia, La Prairie, le terrain Aigle, où doit atterrir le bombardier bimoteur Hudson. Mémé Broyer et son équipe sont déjà là, avec Claudius Petit de l'armée secrète et quelques autres passagers clandestins pour Londres. Nous sommes donc allés sur le terrain et vous le savez sans doute, la brume s'est levée au moment où l'avion passait au-dessus de nous. Il n'a donc pas pu atterrir puisqu'il ne voyait plus le terrain. Et nous avons été perdus dans le brouillard. Alors tous ceux du groupe de protection qui étaient là s'interpellaient, certains se sont mis à fumer, et Delattre, aussitôt ses réactions de militaire sont venues, et il me disait « Écoutez, vous qui devez avoir quelque autorité sur eux, voulez-vous leur dire de ne pas fumer parce que le rouge de la cigarette se voit à tant de mètres, et puis demandez-leur de ne pas s'interpeller parce que la voix portée par le brouillard, ça peut s'entendre à tant de kilomètres. » Alors j'ai donc passé la consigne au chef qui était là et qui devait être sans doute Mémé. Que s'est-il passé, M. Prevel, dans la nuit après l'envol raté ? L'envol raté, il a été raté à cause du brouillard. Tout le monde était en place, mais il y avait du brouillard. L'avion n'a pas pu se poser. Alors il a fallu ramener tous les passagers chez Mémé Broyer. Et puis, ma foi, nous sommes tous dispersés comme à l'ordinaire, quoi, chacun chez soi. Alors, le lendemain, c'était le dimanche, et Mémé vient me trouver, Mémé Broyer. Il me dit, il faut que tu viennes avec moi, il y a des gars qu'il faut qu'on emmène au port d'Assia. Alors, j'étais chez lui, on les a mis dans une bétaillère. Il y avait donc le gars avec un boucle. Une fois nous sommes partis, il y avait des gens à Manzia sur la route, sur la place. C'était dans le moment, dimanche, le moment qu'ils allaient à la messe, ou je sais pas moi. Alors nous avons passé par Saint-Laurent, puis la Prairie, après sur, en allant sur Griège, tout ça. On a rencontré les gendarmes, il dit tiens, les gendarmes. Alors il leur a fait signe, et puis nous avons continué jusqu'au port d'Arcia. Port d'Arcia était un des abris que nous avions dans le département de Saône-et-Loire. On n'en avait pas tellement, surtout en 42, mais nous avions quand même cet abri bien situé sur les bords de la Saône, un coin charmant. Alors, ce jour-là, c'était un dimanche matin, et une bétalière les a emmenés, qui venait de chez Mémé Broyer, jusqu'à Port d'Arcia, où ils ont été hébergés dans ce restaurant de la Page. Le restaurant leur fournissait le vivre et le couvert. Vous avez une salle de restaurant très convenable, un bar où nos passagers prenaient l'apéritif. Et c'est ainsi qu'un matin, sur le coup de 11h30, les ouvriers qui venaient là, ne sachant pas du tout qu'il y avait d'autres passagers, mais il y a eu des indiscrétions, et un ouvrier tape sur l'épaule du général Delattre, plutôt de Charles de Kane, lui disant, mais vous ne seriez pas par hasard des gens qui partent à Londres ce soir?
Et le soir même, Claudius Petit, qui était l'un des passagers, qui connaissait le général, est venu me voir à Lyon en me disant, le général Delattre est très ennuyé parce que sa sécurité n'est tout à fait compromise dans ce restaurant du port d'Arcia. Alors c'est alors que je suis allé voir Mémé Broyer, le chef d'équipe, qui a trouvé tout de suite un restaurant ou un autre hôtel à Pont-de-Vaux où il a pu héberger tous nos passagers. Entre Mâcon et Tournu, mais dans le département de l'Ain, et à 7 km de Manzia, Pont-de-Vaux, patrie du général Joubert, est l'un des plus grands centres de commerce de la volaille de Bresse. En 1943, à Pont-de-Vaux, il y avait des résistants. Parmi eux, le docteur Voldoir et Thierry le vétérinaire, fusillés quelques mois plus tard. Ce chef-lieu de canton est toujours le même. Le petit train a disparu, mais la vie n'a pas changé. Chaque quinzaine, le mercredi, c'est la foire. Comment se douter aujourd'hui que dans cette petite ville si tranquille, il y a eu en 1943 des heures d'attente et d'angoisse pour ces hommes cachés qui attendaient leur embarquement pour Londres, Claudius Petit, Charles de Ken et quelques autres, et pour tous ceux qui les hébergeaient. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mangent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. L'épreuve est dure. Beaucoup de bons Français, et parmi eux les paysans et les ouvriers, l'acceptent avec noblesse. Ils m'aident aujourd'hui à supporter ma lourde tâche. Mais il me faut mieux encore. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. Étiez-vous chez vos parents le 10 octobre 1943, monsieur Georges Badez, lorsqu'on a amené les deux pensionnaires? Je rentrais des chantiers de jeunesse et j'ai trouvé chez mes parents le général Delattre de Tassigny et monsieur Claudius Petit, que je ne connaissais pas plus que mes parents d'ailleurs. Vous n'avez pas cherché à les connaître? Absolument pas. Ce n'était pas notre rôle de savoir leur nom et... Mes parents, qui avaient l'habitude d'héberger les passagers clandestins, n'ont jamais cherché à savoir qui ils hébergeaient. Vous supposiez que c'était des personnalités? Non, vraisemblablement des personnages d'une certaine influence, puisque on s'occupait d'eux pour les faire partir en Angleterre, mais personnalité à proprement parler, non. Claudius Petit est revenu à l'hôtel du Raisin. Ici aussi, rien n'a changé. Même la chambre où il était avec Charles de Ken. Eh bien, tu vois, c'est là que nous étions tous les deux. Et le Pacha couchait dans ce lit-là. Et puis... Bien, c'est là que je lui apportais les boissons chaudes pendant qu'il avait la grippe. Et parce qu'il est resté au lit pendant 2 jours, là. Et puis, ben, c'est là que nous jouions aux petits chevaux. Alors, on était assis l'un en face de l'autre. Et puis, quand on en avait assez de jouer, alors on parlait.
et puis il y avait le café de la Cloche, où ils retrouvaient souvent d'autres résistants et des voyageurs comme eux qui attendaient l'avion pour Londres. Je crois que c'est là que, si vous vous souvenez, vous m'avez rangé du charbon avec... avec de l'âtre. Il n'y avait pas un banc, là. Il y avait un banc, hein? Sur lequel vous vous mettez tous les quatre, là, quand il faisait du soleil. Oui, on venait dans les fins d'après-midi, là, il me semble. Oui. Hein? Vers la fin, on était plus hardis. Au début, on ne sentait que le soir. Au début, on était tous un peu comme ça. Pardon, M. Petit, ça vous rappelle rien? Ah, si, ça vous rappelle le moment où l'on venait se réchauffer, là. Et avec le Pacha, on venait là et on retrouvait en plus les autres amis. C'était vraiment un endroit très sympathique et puis un peu discret. D'ailleurs, ça n'a pas changé, tout ça. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de visites aux raisins? Ils en ont eu, oui. Et je me souviens notamment de la visite du président de la délégation spéciale de l'époque, qui était Jean Favier, dit Jean Lacaisse. Je crois qu'ils ont eu également la visite du chef de gendarmerie, la visite d'un certain facteur dont je ne me souviens pas le nom, et la visite de Totor, qui était le curé de Saint-Bénigne. C'est donc un secret pour personne. Oui, et alors justement, ce qui était intéressant et important, et ce qui le premier jour nous a fait peur, véritablement peur, c'est de voir cet homme respectable, Jean Lacaisse, qui était au fond nommé par Vichy, et qui avait trouvé ce tour de force d'être à la fois le chef de la résistance locale et en même temps d'être nommé par Vichy, comme en somme pour assumer les fonctions de maire. Et je dois dire que chacune de ces visites nous causait une certaine inquiétude quand nous avons vu arriver le gendarme. Et lorsque nous le voyions écouter les messages le soir dans le café d'en face, à la Cloche, et nous avons compris après, c'est qu'il fallait qu'il fût vraiment au courant, puisque c'est lui qui, établissant des contrôles sur les routes accédant au terrain, empêchait pratiquement toute circulation autour du terrain. Ce terrain aigle est toujours tel quel, comme Manzia. Ce village qui le domine, construit sur une arête bordée de champs, a toujours ses maisons, moitié torchis, en pisé, comme on dit, moitié pierre. Chacun ici a continué son travail comme avant, dans le calme, comme si rien ne s'était passé. On élève toujours de la volaille. On fait toujours du vin. Il n'a pas la cote de celui d'en face, du Mâconnais, mais il se laisse bien boire. Chez vos voisins, comme vous y alliez souvent, ils ne se doutaient pas de quelque chose? Non, je ne crois pas. On allait écouter les messages, les postes anglais, en Angleterre, quoi. Les trois coups de gong, les messages passaient dans l'émission anglaise. Il ne faisait pas de réflexion? Non, pas chez les voisins. On a eu quelquefois une réflexion, c'était chez nous. Après, quand on a vu un poste, c'est-à-dire en 44, un voisin qui était venu une fois, puis il nous dit, « Je comprends rien, moi, tu dois bien comprendre. Bon, je dis, qu'est-ce que je comprenne ?» Est-ce que ça signifiait quelque chose pour vous, ces messages? Ça signifiait qu'il y avait un atterrissage le soir. Et on les diffusait combien de fois? On les diffusait trois fois, à 2h30, trois ou quatre fois même, 5h30, 7h30 et 9h30. Alors, s'il n'était pas diffusé à 9h30, l'opération était annulée. Mais si vous n'entendiez pas toutes ces diffusions, vous y alliez quand même? On était plusieurs pour l'écouter. Alors, on se voyait le soir pour se rendre compte des uns des autres. Et vous ne saviez pas du tout la signification? On savait qu'il devait venir en avion, c'est tout. C'est tout. La signification n'avait pas de valeur, c'était simplement pour nous indiquer que l'opération aurait lieu. Et quand vous aviez la radio chez vous, comme vous aviez des enfants, ils écoutaient forcément la radio, comme les messages n'étaient pas très tard. Il n'y a jamais eu d'indiscrétion de la part des enfants? Non, même pas. On ne s'est jamais douté de rien à la maison. Qu'une fois, j'ai ma fille qui avait environ 5 ans à ce moment-là. J'étais allée faire des courses avec elle. Alors, chez l'épicière, elle s'est mise à dire, en regardant des journaux qui étaient sur une table, elle s'est mise à dire le Père Noël a pitchounette, les tables est inhabitable. Enfin, vous voyez à peu près, quoi. Je lui dis, mais tu vas te taire, qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'y comprends rien. C'est pas écrit sur le journal, voyons.
et c'en est resté là. Dans l'équipe, il y avait aussi le sabotier de Pont-de-Vaux. Aujourd'hui, c'est le dernier dans toute la région. Et 30 ans après, qu'est-ce que vous ressentez ? Je pense qu'il faudrait... On ressent, je pense qu'on ressent, que... C'est quelque chose qui est un peu... On arrive au plus proche depuis que c'est vrai quand même. Ça a vécu, quoi. C'était réel. Chaque samedi à Manzia, ceux qui restent se retrouvent tous chez Feilleux. Leur amitié n'a pas changé. Ils parlent de leurs souvenirs. Chef d'équipe, c'était Mémé qui était notre commandant, quoi. Notre chef d'équipe, c'était chef d'équipe. Oui, on était tous un peu chefs, quand même, en principe. C'est quand même chez toi qui descendait le plus souvent pour sortir les gars. Oui, c'est pas moi qui avais le monopole des armes, quoi, sur tout ça. C'est moi qui allais repérer le terrain, là, pour passer. Il y avait des fossés, puis des fois, il y avait de l'eau. J'allais repérer les passages. J'allais avec une fourche sous le dos. Tu te souviens, notre borne, qu'on trouvait toujours pour faire le balisage, elle n'y est plus, celle-là. Elle n'existe plus. Oui, mais il y avait une chose, au début, on partait tous d'ici. Ouais, avec les mitraillettes, oui, carrément. Alors, ça n'allait plus à la fin. On descendait chacun chez soi, on passait à travers les terres, on partait tout seul. On s'était organisé un peu mieux. Un peu mieux. Puis alors pour rentrer, on sortait aussi chacun. Vous vous rappelez, dis donc. Eh ben, il y a une fois, Il y a une fois, je rentre, je passe vers la gare, l'ancienne gare du Taco. Ça s'éclaire de lune, Tout par un coup, je me semble voir bouger quelqu'un. Je dis, bon sang, j'avais mon revolver, J'ai regardé un moment, enfin je me suis avancé, et ben c'était une tête de saule. Tu vois, on aurait dit un bonhomme. Ah oui, mais on se méfie quand même. Mais c'est quand même, quoi, tu vois. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand l'appel de gendarmerie mangeait chez Raymond, dans la table à gauche, c'est ton beau-père. Oui. On est sortis de sous le portail avec nos mitraillettes en reculant. On a dit s'ils sortent, on les allume, alors on allait faire du joli travail. Oh, oh là, mais c'est comme ça. On est allé en reculant jusque vers l'église, comme ça, pragmatiquement. Comme ça, oui. Quand on est arrivé, nous. Et de nouveau, on parle de Charles de Ken. Il descendait sur la route. Et nous, on coupait les prairies. J'avais une équipe, je ne sais pas moi, 5 ou 6 avec moi. Et alors, on fait jonction. Alors, je vois un grand bonhomme qui était en tête, là, avec une barbe, un chapeau, tout ça, une valise à la main. Puis, comme tu dis, que ça avait l'air. Ah oui. Alors, on discute 2 secondes, les copains qu'il y avait. Alors, il fait, il n'y en a pas un qui pourrait prendre ma valise ? Oh, cache les pieds, celui-là. Moi, sa valise, il n'y a qu'à la porter, c'est tout. Puis moi, je m'en suis préoccupé, je ne sais pas. S'il y en a un qui l'a pris après. Oui, toi, tu l'as porté. Oh, moi, j'avais une mitraillette, moi, ça me suffisait. Moi, j'avais pas besoin de valise. Alors, tout le monde marchait sur le milieu du chemin. Et de l'âtre me dit voulez-vous leur demander de marcher sur les bas-côtés, sur l'herbe ? Parce que une oreille collée au sol entend des pas sur une route à 5 km. Et il faut dire qu'à ce moment-là, les sirènes de Mâcon mugissaient, que l'alerte était donnée dans tous les environs. Un avion était passé. Alors, il y avait donc une certaine crainte. Ce qui contrastait d'ailleurs avec l'extraordinaire tranquillité du groupe qui nous gardait. Oui, la chose qui est arrivée un jour à l'escoula, justement, c'était un nouveau qui était au balisage. Alors je lui dis, quand tu as éclairé la lampe, tu pars du côté de l'ouest. Alors, l'avion au décollage était un peu en oblique. Le gars dit, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il revient de ce côté du balisage. Il a juste eu le temps de se coucher. Il a passé sous les ailes de l'avion. L'avion lui passait dessus. Oui, mais avant, vous aviez dit, vous aviez fait le signal pour allumer la ligne. C'est ça. Puis le premier, c'était un nouveau, je ne me rappelle pas lequel. Il n'allumait pas. J'ai dit, allume donc. Il y a un général de là, c'était lui. Il y en a quand qui commande ici. J'ai dit ça. Il y a une réaction que j'ai,
que je comprenais fort bien, une réaction de militaire informé du moindre détail. Ensuite, dans les conversations que nous avons eues, j'ai davantage compris parce que un jour, il me dit, avoir tant risqué, avoir pris tant de précautions pour s'évader d'abord, puis se cacher, pour ensuite découvrir partout une sorte de ce qu'il prenait même pour du laisser-aller, n'est-ce pas ? Il y avait vraiment de quoi réfléchir. Est-ce que vous saviez que vous transportiez des hôtes de marque ? Ah, du tout. Tout ce que je savais, c'est qu'il y aura 8 ou 9 passagers. Mais je n'avais aucune idée. Mais après avoir décollé, j'avais un autre pilote qui ferait l'expérience, un pilote jeune. Et je lui ai donné l'avion. Je suis allé dans la cabine pour faire bienvenue aux passagers. Et un des passagers m'a dit, Monsieur le pilote, j'ai le grand honneur de vous présenter au général de Lattre de Tassigny. Quelle était votre impression ? Oh, c'était un homme barbu, sale, disons, franchement. Mais une courtoisie traditionnelle formidable. C'est mon carnet de vol. Et si vous voulez voir les détails de ce vol-là, le 16 octobre, Hudson, ben, j'ai mis que c'était, faisait un temps admirable et pas d'ennui. 6 heures de vol d'Angleterre et de retour. Madame Rivière, pourquoi vous êtes-vous jetée dans la mêlée dès 1940? Oh, assez naturellement, après la décevante période de 1939, après la débâcle de 40, il était bien difficile d'accepter une défaite aussi complète et je pense que la plupart des jeunes ont essayé de continuer. Monsieur Paul Rivière, 30 ans après, ne pensez-vous pas que vous avez agi par esprit d'aventure? Je crois que c'est surtout par patriotisme que nous avons commencé. Naturellement, le goût de l'aventure y a pris une part assez importante, mais c'est surtout à la suite de ces opérations que nous avons réalisées tous ensemble que le goût du risque venant, comme chez tous les jeunes hommes que nous étions à l'époque, il a pris une grosse importance. Pour vous, Madame Rivière, l'amitié a-t-elle joué un très grand rôle dans la résistance et après la résistance? Ah oui, d'ailleurs, nous avons, il y a eu un renversement de nos amitiés à cause de la guerre. Nous avons perdu de vue des gens que nous aimions beaucoup à l'époque. Et par contre, nous avons lié de nouvelles amitiés qui ont tenu très longtemps avec les gens rencontrés durant le temps d'hostilité. Nous ne savons pas, au fond, ce que nous pensons politiquement les uns les autres. On s'en moque. Nous sommes de conditions différentes. Ça n'a aucune importance. Mais vous avez vu aussi bien chez l'un que chez l'autre. Ici, en face, vous avez dû le voir à Manzia. C'est toujours la même.